Salut, c'est MetalBlaze et bienvenue dans cette vidéo sur Medal of Honor Débarquement Allié. Aujourd'hui, 6ème mission et probablement dernier épisode, tout dépendra de la durée de cette dernière mission. Je viens de terminer la mission et il s'agit là bien de l'avant-dernier épisode. C'est parti donc pour la 16ème mission, retour à Tchmirdzen. On écoute tout de suite le briefing. En novembre dernier, l'un de nos agents, le lieutenant James Patterson, a neutralisé une usine de production de gaz moutarde située dans le fort Schmerzen, le long de la ligne Siegfried. Malheureusement, le renseignement nous a signalé que la fabrication avait repris sous la tutelle du colonel Müller, commandant de Schmerzen et reconstructeur du fort pour l'occasion. L'OSS a appris que des trains partis de la forêt de Hürtgen et transportant des prisonniers de guerre faisaient route vers l'usine. Il se peut que Schmerzen ne soit que l'étape d'un voyage vers l'Est. Mais mon petit doigt me dit que Müller nourrit de plus noirs desseins. Vous avez ordre de raser définitivement cette usine de la surface du globe. Dans ce but, nous avons formé une troupe spéciale de Rangers issue de votre ancienne unité. Ils auront avec eux assez d'explosifs pour réduire Schmerzen en cendres une bonne fois pour toutes. Vous partirez devant pour couper les communications entre le fort et le reste du monde, mon lieutenant. Ensuite, vous devrez intercepter et réquisitionner le train qui se dirige vers le fort. Il vous servira de cheval de Troie, à vous et à vos hommes, pour pénétrer dans la place. Une fois à l'intérieur, gagnez l'étage inférieur du bâtiment, posez les charges et sortez aussi vite que vous pourrez. Bien entendu, vous devez faire en sorte qu'aucun des prisonniers de guerre présents à proximité ne soit blessé par l'explosion. Vous pouvez disposer. Bonne chance. Alors, il se pourrait que j'ai un tout petit peu avancé sur cette mission. J'ai eu un souci d'enregistrement. J'ai voulu changer mes paramètres OBS parce que j'ai bourré mon disque dur. En l'espace de 45 minutes d'enregistrement, j'étais là, je fais « Ouah, trop bien !» Il s'est passé des trucs de fou et crash. Donc voilà, je connais déjà un petit peu l'emplacement des ennemis, mais je suis pas allé très très loin. Vous êtes en droit de vous poser cette question. Est-ce que j'ai surréagi quand j'ai vu le briefing? Oui et non. J'avais compris qu'on allait exploser l'usine à gaz moutarde, mais le truc que j'avais pas écouté, et bien à un moment, on aura un train et on va faire un cheval de Troie. Et ça va être cool. Bon, c'est bien sympa. Alors, on est dans la neige. C'est très très sombre. En tout cas, bienvenue dans cet 12e épisode sur Medal of Honor Débarquement Allié. On va faire des petites sauvegardes rapides de temps en temps. C'est tout simplement pour m'aider à progresser parce que des fois c'est un peu compliqué. J'en abuse pas toutefois. Parce que sauvegarder toutes les 20 secondes, c'est pas drôle. Ouais, bon, par contre, c'est pas parce que j'ai déjà fait le début que. Toi que je suis fort, tu vois. Sur cette map, il y a énormément de polygones. Il y a des petits soucis de framerate, probablement, parce que là, le moteur de Quake 3 est à genoux, tout simplement. Medal of Honor a quelques difficultés à tourner. Toutefois, mon jeu est quand même à 144 images par seconde. On est en 1080p. Ça marche plutôt bien. Au revoir. Il faut faire attention aux soins, tu vois. Faut faire attention à sa santé et faut garder de côté les medikits. Boum. Le jeu. J'ai cru que ça avait crash. Regardez, là, je galère à avancer. Je suis accroupi, du coup, j'arrive pas. C'est pas si logique que ça, en fait, techniquement, quand t'essayes de ramper dans une petite butée et qu'il y a de la neige, je suis pas certain que t'y arrives. Par contre, on en parle des textures ici. Je rêve d'un remaster sur Medal of Honor Débarquement Allié, ainsi que les premiers jeux sur PlayStation, juste pour m'enlever ces vieilles textures toutes dégueulasses, là. Je rappelle que le jeu est sorti en 2002. C'est un reportage qui est sorti en 2015. D'ailleurs, j'ai dû patcher pour avoir le jeu en 1080p 16:9. J'ai énormément patché le jeu. Pour ceux qui auraient pas vu les premières vidéos, j'ai patché, j'ai mis un patch pour avoir le jeu en français, j'ai mis un patch pour avoir le jeu en 16:9, et j'ai installé un logiciel qui s'appelle Reshade pour avoir des textures bien plus nettes, sachant que je crois qu'il existe des textures pack, mais pour pas, on va dire, changer la cohérence entre les épisodes, du coup je ne l'ai pas installé, sachant que ça change pas grand chose, hein, parce que ça reste quand même des textures en très basse résolution. J'adore le bruit du vent. Par contre, l'ambiance qui est dans cette forêt, c'est marrant parce que du coup, du fait qu'il y a une forêt, au niveau imaginatif, tu te dis, c'est marrant, genre je peux faire des kilomètres, je suis certain, ça sera encore de la neige. Alors qu'en vrai, bah c'est un moyen de pas afficher énormément de distance. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un espèce de brouillard. N'importe qui pourrait se dire, ah oui, en fait, il y a un brouillard à cause de la neige. Non, c'est juste, ça s'appelle juste une limitation technique, ça. Je sais. Oula. Non, t'inquiète, je rush, ça va le faire. Je prends les soins, je me casse. Salut. Oh les fitness du truc, rien à foutre. Hop là, regarde, je récupère des points, regarde, je t-bag. Plutôt qu'à un moment, genre, les PNJ ne bougeaient plus, genre, j'étais là, ils ne bougeaient pas, genre, j'étais derrière eux. Ah, je sais pas si j'arriverai à vouloir faire, je sais même pas si ça va se reproduire. Bon, ouais, regardez là-bas. Regardez, ils me voient pas. Vous avez remarqué que des fois, les ennemis, ils vous voient il y a des kilomètres, et à la limite, ils arrivent à vous voir à travers les arbres. Là, c'est des débiles. Le mec me voit, hein. Et là, ils sont 3-4, hein. Du coup, vu que j'ai vu la zone plus tôt, je sais qu'ils sont 4. Ils sont un peu débiles, tu vois, regarde. Regarde, ils me voient pas.
Bon bah du coup j'ai réussi à vous montrer ça. Sauf que tout à l'heure c'était encore plus flagrant parce que vraiment j'étais vraiment derrière eux, derrière leur nuque. Vraiment en mode guilly guilly avec Matt Thompson. Regarde, ils sont nuls. Alors j'ai remodifié un paramètre au niveau de mon enregistrement OBS. Je remarque que quand on fait ce type de mouvement là, c'est très pixelisé. Alors, de toute façon tout le let's play était tourné comme ça. Regardez, il y a Poel, il fait une crise d'épilepsie. Regarde ce qu'il y a là-haut. Ah, et puis imagine, alors, en fait, là, depuis le début, il y a personne, tu sais. Non, j'en sais rien, je sais pas, j'ai jeté une grenade, ça n'a pas réagi. Ah si, je me souviens très bien. Parce que du coup, c'est à partir de là que du coup, j'ai perdu ma sauvegarde. C'est que j'ai mis une balle dans la tête du mec, à travers les feuilles. Finalement, j'ai raté mon coup, il est pas mort instantanément, du coup, et il m'a mis 5 balles, et j'ai tendu à 20 HP. Oh, des grenades, je prends. Voilà, donc à partir de là, c'est full découverte. Tu sais, le mec qui attaque au sniper, alors que le mec est en face de lui, tu sais. Ah par contre monsieur, ton fusil traverse la tête, c'est normal. Bientôt il y a un autre truc qui va te traverser la tête, regarde. Au revoir. Regardez ce vieux JPEG, il est moche. D'ailleurs c'est principalement à cause de ça que la compression, la vidéo, elle est très très moche en fait. Plus il y a de pixelisation à l'image, plus ça va flouter, tu vois. D'accord, donc là j'arrive, il y a déjà une fiole de soins. C'est un piège. Oh, attends, il y a un grillage en face. Go back. Si le mec va là-bas, l'alerte est lancée. On s'en souvient de cette petite cabane. C'est dangereux. D'ailleurs, là-bas, il y a une petite lampe aussi. Faut que je fasse attention. Il est pas mort. Là, il est mort. Au revoir. Wow. Ah ouais, mais il est rendu en distance. Ok, il recharge. C'est le moment. Eh ben, ça commence bien, tiens. Ah, par contre, j'ai que 20 HP. Ah. Eh bien, on va faire ça discrètement. Oula. Ok, donc là-bas, il y a encore des lampes. On peut pas prendre l'uniforme. Ah, je pensais que c'était de l'infiltration. Ah, la caisse de soins va faire plaisir. Oui, 91 HP. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je le veux, j'en ai besoin. Attends, je peux pas le récupérer? Attends, peut-être que si j'appuie sur E. Ok, venez de prendre les papiers de niveau 1. Ah ouais, si, j'ai des papiers à montrer, c'est vrai. C'est vrai qu'on avait ça. Genre au tout début, on pouvait montrer des papiers. Bah peut-être que là, du coup, je vais pouvoir le refaire. Et si, on pouvait les prendre, du coup, la dette nue, ok. Ok, donc maintenant, comment je fais pour montrer mes papier. C'est bon, c'est bon. Sur ma souris, j'ai une touche pour me désarmer et j'ai le clic molette pour montrer mes papiers. Les gars, je suis vacciné, je vous montre que j'ai bien pris mes 3 doses. Oh, la musique, elle est trop cool. Je sais pas si on l'entendra très 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 forte, mais... Alors c'est vrai parce que les textures sont belles de loin, mais par contre, quand tu te rapproches, ça pique un peu. Hein. Oh, la musique est trop bien. Hop là, papier de niveau 2. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, ils sont pas de la même couleur, ceux-là ils sont bleus. Mais attends, du coup, je suis en train de me dire. Parce que là, depuis tout à l'heure, je suis en train d'attaquer, mais... Si je fais ça, ça marche ou ça là, ça marche pas? Ah ouais, ça marche. Ça marche! Regardez, je suis triple dosé. Attends, d'accord, donc là, on est carrément level lieutenant, quoi. Mais genre, on peut rentrer en mode infiltration ou on peut faire le gros bourrin? Je suis certain, on peut faire le gros bourrin. Hein. On va essayer de pas trop s'approcher de trop des gardes. Avant qu'ils s'aperçoivent, parce que c'est louche, tu vois. Parce qu'on est un peu américain, tu vois, on n'est pas très allemand. Imagine, le gars, il rentre comme ça. Bonjour! Je passe à côté de lui, tranquille, c'est en train de parler d'argent, son balestec. Attends, what? Oh, la cargaison. Oh, je peux tout faire péter. Je t'aurais de me dire, ah, mais je vais pouvoir me servir de leurs armes. C'est pas ça l'objectif. Ah non, j'ai pas complété tous les objectifs. C'est peut-être pour ça, hein. Il manque peut-être des choses. Hein. Mais quoi? Pourquoi tu meurs pas? Ah quand même! T'es genre, t'as pas entendu la petite balle siffler? Allô? J'aime pas le bruit que j'ai entendu, ça, on dirait un bruit de, t'sais, genre de quelqu'un qui a activé l'alarme. Mais y a pas le son de l'alarme. Ah oui, y a l'alarme. Ok. Ouais, bah attendez, F9, il s'est rien passé! Attends, on ferme la porte. On va essayer de faire du bruit. Donc c'était ça, hein, il t'avait activé l'alarme. Hein. J'ai pas encore entendu l'alarme s'activer. J'ai tiré avec la Thompson. Le simple fait d'avoir fermé la porte, ça change tout. Comme quoi une porte en plomb, tu sais, genre ça. Tu sais, ça étouffe tous les bruits. Pas rien que ça étouffe la radioactivité. Ah. Mais on peut les prendre, les flingues. C'est moi qui me posais la question en mode, est-ce qu'on peut tout prendre? Mais bien sûr qu'on peut tout prendre. Oh, mais oui! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une STG-44. Alors, je sais pas ce que c'est, mais j'aime beaucoup. Mais attends, je peux là ou pas? Ah, mais là, je peux, d'accord. Fallait juste que je fasse ça. Attends, mais ça a pété. Bah oui, forcément, je suis débile. Et on fait tout péter. Alors, je pense que là, on va faire du bruit. Hein. Ouais, c'était sûr, c'est obligé. Allez, maintenant, on peut sortir de la grosse mitrailleuse. Oh la dinguerie! Ah la vache, ça c'est du gros calibre, mon copain.
C'est ça, cassez-vous! Ouais, faut que j'exfiltrate de base. En fait, depuis tout à l'heure, je pouvais avancer, c'est juste que je... Bah, je prenais mon temps, peut-être, parce que c'était dangereux, il y a énormément de monde dans ce couloir. Attends, mais on est en train de se faire toute l'Allemagne, là! Et c'est comme ça que quelqu'un a commencé Call of Duty! Bah oui, c'est vrai qu'il était là, lui, encore. Je l'ai pas tué au début, forcément, vu que je l'ai passé en mode infiltration. Eh, mais attends, MG42! Là, en plus, on est munitions limitées. C'est bon, il y a encore du monde! Qui veut? Tu veux? Tu veux? Toi aussi, tu veux? C'est marrant parce que ces soldats-là, du coup, on voit qu'ils viennent de l'extérieur. C'est sympa la cohérence. Putain, quand on prend pas de travers les balles. Wow! Ah non, je suis mort! Non, je suis mort! Salut! Ah, mais il est pas mort en plus, tiens! Ah, je peux pas passer par là, c'est sûr! Ah, faut que je fasse le tour! Ok, on rush. Oula, par contre, je vais me faire tirer dessus. Ah bah oui, forcément! Oh, 12 HP! Ah ouais, j'ai besoin d'en sortir. C'est pas encore fini. Je l'ai senti. Je vais faire quand même une sauvegarde rapide, on ne sait jamais. Et des soins. Ok. Ok, je m'en sens mieux là. Coucou, regardez! Regarde, je peux même le pire. Guini 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 avec ma Thompson! Guini guini! Guini guini! Qu'est-ce qu'ils sont cons? Oh, regardez. Oh, ils sont mignons. Ça va me tirer dessus, bien sûr. Ouais, mais... Non, mais tu décales pas, regarde. J'ai la MG42. Qui est bande de gogol. Allez, mon golo. Mais hé, les gars, j'ai la MG42. Qu'est-ce que vous avez fait? T'es là, ils essaient de me contourner, tu sais. Ah non. Les explosifs à distance sont entre votre possession. Sympa. Ah donc là t'es en train de me dire qu'on va tout faire péter. Ah non mais c'est pas encore maintenant, il est où le train? Il est où cheval de Troie? Au revoir. Ouh, c'est une Media Belle Batlis. Oh, ça me rappelle les décors de Medal of Honor 1 ou 2, je sais plus. Coucou. Hop là. Ah mais il est parti, ah mais il est là. Non, reviens. Mais il est où? Oh non, oh putain, il va y avoir des armes partout là-dedans.